Hello gros up, j'espère que tu vas bien. Moi ça va super. Aujourd'hui, on retourne dans le Nether. Par contre, on esquive les bastions, je vous le dis tout de suite. Mais on retourne dans le Nether et on va vraiment trouver cette forteresse de merde, ok, afin de tuer des Blaze Rod et se faire le portail de l'Inde, enfin trouver le portail de l'Inde plutôt et tuer ce dragon de merde. Je veux le dézinguer, ok. On a eu une très mauvaise expérience avec les bastions, franchement très très compliqué. Vraiment, le Nether, c'est pas des lol. Hein. Je pense que l'End, du coup, c'est encore pire. Mais bon, hein, on va tester. Voilà. De toute façon, c'est un mode survie, c'est pas un mode hardcore. On risque. Enfin, je veux dire, ça termine pas notre mode survie, c'est pas grave. Mais là, on y va. Hein. Plus d'excuses. Hop, on bouffe notre steak et on y va. C'est parti. Tchou-tchou-tchouk. On va juste refaire une pioche en diamant pour là-bas. Au cas où. Allez, let's go! Attendez, en fait. Il va me manquer la canne à pêche et me faire un nouveau bouclier, en fait. Désolé. Ok, allez, là, on est bon. Alors, on va redescendre dans le lac de lave et tout qu'on avait fait. Donc là, dans cette direction, il y a le bastion. Et du coup, on va essayer l'autre direction, hein, tout simplement. Alors, viens, petit con. Petit con? Petit con? Petit con? Ouais. Ah, il avait déjà une selle, lui. Ok. En ce moment, j'ai vraiment l'impression de passer ma vie dans le Nether. C'est un truc de fou, hein. Écoutez, pour l'instant, on ne croise rien. Ah, ça, c'est un truc de forteresse, je crois, ça, les amis, non? Bah ouais, il y a des blazes, regardez. Ok. Alors, juste, c'est où par rapport à l'autre chemin? Parce que bon, c'est pas que. Voilà, mais voilà. Hein. Ah, bah regardez, je crois qu'on y était en plus ici avec les trucs là qui sautent. On avait juste à continuer un peu plus et je crois qu'on tombait dessus. Ok, donc il faudrait que je mine de ce côté-là. Parce que ouais, bon, je vous cache pas que pour faire les allers-retours, tout ça, je préfère y aller quand même en minant. C'est pas que je les aime pas, c'est juste vraiment. Je trouve pas ça sécure d'y aller à chaque fois avec ça. En plus, faut du coup se trimballer tout le temps avec une canne à pêche, une selle et tout. Bon, hein. Préfère avoir un chemin directement dédié. S'il y a un petit ghast pas loin là, ça va être un peu plus complexe en fait. Hein. Alors, est-ce qu'on se fait le pont de la mort? Je crois qu'on va partir sur un pont de ouf. Tout en entendant un gros ghast. Et on est chaud ou pas? Allez, on est chaud. On n'a pas trop le choix de toute façon. Normalement. Bon, c'était à peu près, hein. Là, j'ai fait vraiment tout droit. Normalement, on est censé tomber dessus. Le stress est à son paroxysme, les amis. Là, si je lâche la touche Shift, enfin Shift, Sneaky, là, je suis dead. Bon, on a bien calculé notre coup, on tombe directement dessus. C'est génial, au moins, on a juste à faire un tout droit. Ça, c'est beau. D'apprendre, je crois qu'on va tomber directement sur les blazes, je sais pas quoi, là. Et là. Est-ce que vous pensez qu'on va encore crever ou pas? À tous les coups, il y a moyen. Hein. Ouais, c'est dangereux ce que je fais, non? Ah, il y en a, il a spawn là, l'enfoiré. Ok, on tombe pas directement sur des trucs de ouf. Bon, c'est déjà ça. Franchement, au moins. Bon, ok. Ok. On est dans une forteresse. Bon, maintenant, eh ben, bonne chance. Souhaitez-moi bonne chance. Je sens que là, il va nous arriver des grosses dingueries. Ça, c'est le bruit de truc, hein. Oula. Oh putain, il y en a là. Ok, comment on fait pour les taper? Parce que là, je sens que je vais me faire défoncer. J'ai besoin de votre aide, putain de merde. Ok. Putain, il y en a un juste là-haut. Ouais, il doit être là-bas. Putain, j'ai peur de me faire one shot. Ou bien il tape dans le truc, je tombe à tous les coups. Ça, c'est un bien truc qui m'arrive bien, ça. Ouais, voilà, déjà. Super. Merde, j'ai jeté une potion sans faire exprès, je voulais pas. Résistance au feu pendant 2 minutes. Ok, bon bah écoutez, je crois que de toute façon. Ah ouais, je l'ai one shot. Ah si je l'ai one shot, ça va être trop simple. Hein, en fait. Attendez, j'ai infinité, ça m'a gaspillé la flèche. Du coup, j'ai plus de flèches, c'est sérieux ça? Oh putain de merde. Oh là. Oui, il y en a beaucoup là. Qu'est-ce que je fais là? Attends, comment je fais pour les taper là? Mais pestons de résistance au feu, c'est trop bien, les amis. Ok, j'ai un blaze rod. Ok. On va essayer de faire ça, je crois, j'ai vu là. Pour qu'il spawn. Pour qu'il soit bloqué, qu'il soit à mon avantage. Voilà. Ok, j'en ai un autre. Mais je crois qu'il y a un autre spawner là-bas. Ah ouais, sa mère. Ok, pour l'instant, on se débrouille bien. Ok. On essaie de construire un truc comme on peut. Ouais, bon là merde. J'ai l'impression qu'ils font pas très très mal en fait, hein.
Ouais, si, quand même, en fait. Mais dommage, j'ai plus de flèches, en vrai. Franchement, là. Non, ce que je fais, je mets chaque ma potion, en vrai. Et puis, je les nique tous, là. Ceux d'en haut et ceux d'ici. Comme ça. Ouais, vas-y, je vais faire ça. Ok. Allez, let's go. Ok. Parce que je crois qu'il nous en faut. Je sais plus, c'est combien. Mais ils craignent pas la lumière. Là, je pensais qu'ils pouvaient. Ok, bon, tant pis. Il me reste 47 secondes. Putain, je pensais vraiment qu'ils faisaient beaucoup plus mal que ça. Mais en fait, pas du tout. Hein. Parce que, comme j'ai vu les barbares là, comme ils me tabassaient la gueule, je me suis dit, vas-y, les Blaze Rod, ça va être une galère. Mais en fait, pas du tout. En fait, mort de rire. Franchement, en vrai, ça va. Hein. Là, c'est des grosses merdes en fait. Là, je pensais grave que. Putain, ok. Bon, bah, bonne nouvelle en vrai là. Ah ouais, il faut les rusher le temps que. Oula. Voilà, j'ai plus le. Ouais, t'es qu'il y a torche ou pas torche, il s'en tape. Ça aussi, je viens de voir. Ok. Là, on en a 12. Je sais plus combien il en faut, je crois, pour remplir tous les enclos de. Enfin, tous les trucs de l'Inde, là. On va essayer de s'en prendre une. Wesh, il a spawné. On va essayer de s'en prendre une petite vingtaine, ce serait cool, au moins. Ça, c'est bien, là, on gère un peu, là. Ah, mais vas-y, toi, viens, monte un peu. Oula, oula, il y en a beaucoup, là. Là, j'ai plus de potions au feu, là. Et en vrai, avec mon armure, même sans résistance au feu, ça va, ça gère un peu, là, quand même. Donc c'est cool. Ouais, ça va. Franchement, c'est beaucoup plus simple que les barbares. Hein. Oh, mais à côté de ça, c'est de la grosse merde, même. Attends, sérieux? Mais là, je m'éclate, là. Je leur fais du. Oula, peut-être pas déconner d'y aller comme ça. Ouais. Voilà, lâchez vos trucs. Ah, j'ai des zingues. C'est trop, trop bien. J'en ai déjà 20. Bon, on va s'en faire un peu plus, du coup. Oh, bâtard. Eh, les gars, je m'éclate. C'est trop, trop bien. Je les défonce. Je leur casse la gueule. Bon, on en a 23. Ok. Pourquoi il y en a autant qui spawn? 23, on en a. Je sais pas vraiment, il en faut combien. En plus, XP bien. Oh, 17 levels déjà. J'étais level 1. Putain, je pensais que ça allait être une galère et tout, mais je les casse leur de la gueule là. Ouais, j'ai trop bien. Eh, je vous défonce, mon doublesse de merde. Vous êtes rien. Oula. Alors là, peut-être pas, en fait. Avec ça là-bas. Ça, il a vu que c'était facile. L'autre, il s'est ramené. Allez, tire ta boule, tire. Je te nique ta race aussi. Je vous défonce tous maintenant. Le Never, je vous nique. Je vous nique tous, le Never, je vous nique. Voilà, c'est bon. C'est dit. Hop. C'est bon, ramenez-moi le barbare, ramenez-moi qui vous voulez. Allez, c'est bon là, maintenant là. Toi, vas-y, lance ta boule de merde, petit con. Lance, allez, lance. Je suis là, là, bâtard. Ouais, tu m'as vu. Bah allez, lance. T'as une grosse merde. Aïe, oula. Ah, lance, c'est bien. Bon, attends. Peut-être pas en même temps, en fait. Hein. En fait, on va se calmer, les gars. Vas-y, lance, ouais. Putain, mais ils me lancent d'ici. Oh là, je serais tombé là. Putain, mais ils font chier, aller en haut là. Ah là. On en a 30. Ok. On va aller faire cela. Oula. Bon, ok. Là, maintenant, on va les laisser maintenant. Là, on en a 30. Est-ce que 30, ça va suffire? C'est ça que je suis en train de me demander. Je sais pas, il en faut combien là? Ok, on va explorer un peu plus la forteresse. Mais en soi, sinon, là, on a tout ce qu'il nous faut pour se faire. Pour aller dans le dragon, en fait, d'ici, je veux dire. Donc là, c'est cool. Donc déjà, moi, je viens de quel côté? De là, il me semble. Ouais, de là. Ah non. Ah non, de là-bas. Ok. On va explorer encore un peu. Il y a encore un truc là-bas. La forteresse. Et ensuite, on va tout simplement aller dans le monde normal pour essayer de se faire trouver des enderpearls, tout ça. Pas des. Pardon, des trucs là. Mais bon, là, déjà, franchement, j'ai pas l'impression qu'elle s'étend de ouf là. La forteresse. Heureusement qu'on a eu l'essentiel déjà. Bon. Bah, j'ai l'impression que. Ouais. Une forteresse, il y avait que de quelques blaze trucs et c'est tout. Bah, je crois que la forteresse, en fait, y a que ça, hein. Il y avait que du Blaze Rod, en fait. Que du Blaze, je sais pas quoi, là. Il y a rien d'autre. Après, vous me direz, c'est peut-être seulement ça, le but d'une forteresse. Mais j'ai vu qu'il y en avait, et vous avez des. Vous avez des squelettes et tout du Nether. C'est pour ça que je me suis dit, bon. Bon, ok. Bon, écoutez, ça aurait été une petite forteresse. Je pensais que ça allait être quand même un peu plus fourni. Mais bon, au moins, on a trouvé, du coup, ce qu'on voulait, un peu, quand même, hein. No Blaze Rod. Peut-être en passant par là, en vrai. Ah bah non, ici c'est seulement les piliers. Ouais. Ouais, ok, bon bah écoutez. Bon bah écoutez, maintenant, objectif. Oh le fils de pute. Objectif, du coup. Oh bâtard, mais fais-moi pas tomber dans la lave, hein. Putain. Ah, c'est trop du cul de merde. Objectif, maintenant, du coup, tuer des. Zendermen pour avoir des. Des perles et se faire des Underperles, voilà.
Donc là, on n'a plus grand-chose à faire dans le Nether. Maintenant, oh là, je pense que je sens que vous allez rigoler hein, quand je vais me tabasser contre le dragon. Oh my god, vous allez foutre de ma gueule, c'est sûr. Attends, en tout cas, les animaux qui courent dans la lave, ça, meilleur truc hein, pour trouver ce qu'on veut, que ce soit Bastion, que ce soit... Oh, lui, il casse les couilles, lui. Ouais, que ce soit Bastion ou Forteresse, trop bien. Mais au moins, là, vous voyez... En mode, j'aurais fait un mode hardcore directement. Il me serait arrivé beaucoup trop de choses frustrantes pour moi. L'aventure serait arrêtée, on aurait dû recommencer, sans savoir pourquoi je suis mort ni comment. Au moins là, on a vachement appris, on va se tabasser le dragon, il y a des chances qu'on crève, mais au moins c'est pas grave. Et après, on se fait une aventure hardcore, et là, boum boum. Alors maintenant, le truc serait... Déjà, j'ai pas compris pourquoi mon infini n'a pas marché, avec les flèches. C'était bizarre ça. Mais... Là, le truc serait de tuer des Endermen. Maintenant, comment en trouver facilement, etc. Ça, c'est une bonne question, ça. Bon, est-ce qu'on pourra tuer des Endermen maintenant? Parce que là, je vais me faire des cartes. Je crois que ça va être plus dans le désert, pardon. Après, je sais pas si dans le Nether aussi, il y en a plus ou pas. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Bon, en tout cas, un tour dans le désert, on verra bien. Ça mène de rien, on en a fait du chemin. Franchement. Bon, forcément, il y a forcément des aventures qui sont beaucoup plus efficaces que la mienne, où les personnes sont beaucoup plus fortes au jeu. Après, bon, c'est normal, hein, moi je débute au jeu. Mais franchement, je suis quand même fier de moi. Je suis très content. On aura fait beaucoup d'explorations en Nether. On se sera fait défoncer dans un bastion et tout. Non, franchement, pour le coup, on aura bien... Après, je sais qu'il y a encore beaucoup de choses, hein, parce que du coup, forcément, vu que j'y joue maintenant au jeu, bah je m'intéresse quand même plus au jeu. Et je vois les choses et tout que les gens font. C'est un truc de fou, je trouve. Vraiment, ils sont trop trop chauds. Je pense notamment au speedrun. Je pense par exemple au beacon où les gens tuent les squelettes du Nether pour avoir des têtes. Après, ça tu fais spawner un truc, tu les tues derrière. Non, c'est un truc de fou. Il y a tellement, tellement, mais tellement de choses à faire. Je trouve c'est dingue. Bon, là, c'est le plus gros terrain de sable qu'on ait pu trouver. Il n'y a pas d'Enderman, hein. Mais je pense qu'en vrai, ça sera mieux dans le Nether. Ça, c'est quand même plus reposant, la terre exploration comme ça ici. Comparé au Nether, là, on en a bouffé, je trouve, du Nether, putain. En tout cas, si tu regardes encore la vidéo, ça veut dire qu'elle te plaît. Donc, n'hésite pas à t'abonner et à laisser un like, ça me ferait vraiment plaisir. Et ça permet de me soutenir énormément. Alors, on est tombé sur un village, tiens. Bah là on est allé loin et franchement rien. Ouais, je crois que on va retourner dans le Nether. Je sais pas si ça se fait bien une ferme à Enderman, mais bon. Enderman, où es-tu? T'es tous les meubles du jeu sauf des Enderman. Donc ouais, je pense qu'on va mettre fin à l'épisode maintenant. Au moins on aura trouvé ce qu'on voulait. L'objectif de l'épisode c'était des Blaze Rods. Donc ça, déjà, c'est fait. Ne vous inquiétez pas les obs, prochain épisode on va tabasser le dragon. J'espère bien tenir ma promesse. J'espère que moi je peux me faire surtout bien tabasser par contre. Mais en tout cas, prochain épisode, on se dit que on recherche le dragon avec les Under trucs là. Et on va pour le tabasser. Voilà. Il y a de fortes chances à ce que ça se passe mal. Mais si ça se passe bien, on sera content. Et sur ce, je vous dis, prenez soin de vous. Portez-vous bien. Lâchez un like si vous avez kiffé la vidéo. Et je vous dis peace!